Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Dans le dernier épisode, on a commencé la guerre contre les Ottomans et je vois que on a perdu du score de guerre par rapport à tout à l'heure. Il y a un Chelm, c'est pas dans la bonne direction, je crois. On a perdu du score de guerre parce que Varsovie a été prise, je pense. On a écrasé une armée ottomane, bonne nouvelle. Est-ce que c'est très bizarre ça? Ouais. Non, ça va aller, je prendrai des gros prêts pour pas avoir trop d'inflation. Le Danemark n'ose pas revenir. Et il refuse de faire une paix blanche. Malheureusement, je peux pas aller siéger sa capitale. Wouah, Prague a rapporté beaucoup de points sur le pape. On va pouvoir prendre un point de stab d'ailleurs. Hop. Augmenter un peu l'influence. Et si on veut augmenter les vitesses de recouvrement. Ah, ça me servirait sur cette guerre. Ah! Chut, téléphone. Oh, j'ai un problème de branchement avec mon câble de téléphone. C'est bon. L'Autriche me dessiège. Elle me sert beaucoup, l'Autriche. Elle n'est pas super puissante, puisqu'elle a que 20 000 hommes et qu'elle en avait 40 lorsqu'elle était en empereur. Mais en même temps, elle est bien. En fait, je crois que c'est pas possible d'avoir une petite princesse parce que je vais plus pouvoir être membre du, chef du Saint-Empire avec une héritière. Même si ça c'est mal ça. 85. Oh, ça dure pas longtemps. Désolée, petite princesse, mais. Tu vas juste provoquer des soulèvements dans mon pays pendant 1 an, et puis tant pis. Ah, ils sont allés jusque-là. C'est vrai qu'on pourrait aller siéger Reva. Pourquoi on voit le fort là? Ils sont impliqués dans la guerre? Non, pas du tout. Ils sont en guerre face à la Moscovie. Non, face à la Lituanie. Et ils ont la Suède de leur côté. Ah, ils ont profité que la Pologne était en guerre. Je pense que c'est eux qui ont attaqué. Ouais, c'est ça. Ils ont profité que la Pologne était en guerre pour qu'elle ne soutienne pas la Lituanie. Et hop, on en profite pour attaquer la Lituanie. Ça va piquer. Est-ce qu'il y a des alliés pour moi? Bon, à la fin, ils vont gagner, mais on aura fait beaucoup de dégâts. Oh là là, on est costaud par rapport aux troupes ottomanes. Repli maintenant. On a pris quand même plus de pertes. Ah, les Hambourgeois se révoltent. Ont-ils gagné? Ils ont gagné. On sait que partie remise, mais. Bon, on va laisser le Danemark essayer de reprendre ses pauvres petites provinces. Ah, ça va être la fin des trêves de coalition. Palatina a rejoint. Oh non, sérieux, ils veulent vraiment rejoindre la Koa? Arrêtez avec ces trucs archaïques de Koa. Koa par-ci, Koa par-là. Freeze, rejoins pas, s'il te plaît. Bohème a rejoint. Ravensburg a rejoint. Ils profitent, hein, je suis contre l'Ottoman. J'espère qu'ils vont oublier ces idées bientôt. Et il faut que les Polonais viennent m'aider quand même. On est aussi nombreux qu'eux. Donc si on est tous ensemble, ça ira. J'espère que la Koa va pas se déclencher. J'avais pas envisagé qu'à la fin de la Koa, ils puissent être dans une grosse grosse guerre. France, on fait des revendications. J'ai peut-être une tech d'avance sur les Ottomans. Tech militaire 14. Et je suis. Tech 15, j'ai une tech d'avance en effet, ça aide. On a un relativement bon commandant. Il y a moyen d'en choper des petits groupes. Il y a plein qui se promènent, je suis sûr qu'il y a moyen de d'écraser quelques-uns. Là, il y a 4 000 à écraser. 2 000 seulement, c'est pas grave. Là, on n'arrive pas à temps. Ah, ils viennent se soutenir avec 1 000. Hop.
Allons aider les Polonais, vite, avant que les autres n'arrivent. Les autres n'arriveront pas. Il y en a là-haut. Ils viennent avec moi là si je tape. Oh, mais il a pas rejoint la coop parce qu'il m'aime bien. Mais est-ce qu'il aurait pu? Oui, il pourrait. On va continuer à améliorer les relations avec lui. J'ai utilisé un point de d'empereur pour les avoir de mon côté. Bismarck pourrait réclamer une. Pourrait rendre la province. Ouais, ils vont finir par gagner contre les rebelles, tant pis. On se bat. On est tellement nombreux qu'ils pourront rien faire. On va fusionner. Essaye d'en choper pendant qu'ils font les sièges. Ouais, là je chope un petit groupe. Il y a un super commandant, mais ça leur suffira pas. Hop, scrabouillé. On contrôle l'objectif de guerre. Ils sont un peu partis là. Ah, voilà, revoilà les Danois. Je pense qu'on va plutôt. Non. Ah, c'est le genre de guerre qui craint. Vraiment, 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 vraiment ça. Je peux pas faire paix blanche avec les Ottomans. Je peux pas faire paix blanche avec les Danois. Et j'ai repris une guerre de Koa dans laquelle il y a la Suisse. Il n'y a pas grand monde en fait. Il y a la Poméranie. Il y a quand même beaucoup de monde, mais. Il n'y a pas la Pologne de mon côté. On va essayer de faire paix blanche avec l'Ottoman. Voilà, paix blanche avec le Danois. Non, toujours pas. J'aurais pu pousser la guerre jusqu'à la gagner, je pense, avec l'Ottoman. C'est un peu dommage, du coup. On a repris Varsovie, je pense que là. 0. Moins 4. Reprenons toutes les provinces, ça devrait suffire. Je pourrais demander des sous. Oh, je pourrais demander beaucoup de sous très vite en fait. Peut-être qu'on va attendre un peu. Faudrait que le Danemark reprenne pas sa province. Qu'une chance sur 5, ça retombe. C'est pas retombé. Oui, les séparatistes. Ils sont combien les coalisés? 72 000. Autant que les Ottomans et le Danemark. Ah là, ils veulent plus. Je sais pas du tout pourquoi. Okay, ils veulent plus. On a repris un siège, c'est ça? Ou on a perdu un siège? Ils veulent bien. Toscane voudrait s'allier à moi. Oh, j'ai pas eu le temps de m'allier avec l'autre, le la Russie, c'est ça qui est dommage. Perdu le siège du Kolding. Mince, c'était avec eux ça. Faire revenir. Ottoman occupe. Pologne occupe. Ah, on repère du score de guerre. Parce que j'ai perdu toutes les provinces là-bas sur le Danemark.
Bon, on va quitter. Hop. Alors, tout le monde là. Bien sûr, Oldmook. Pas se mettre très loin. La Toscane, pas pour l'instant. Angleterre, Autriche, Munster et Saxe. La Pologne, elle m'a simplement abandonné et j'ai plus rien avec eux. J'ai envie de les garder quand même. On va faire le mariage royal. Vous, vous pouvez pas me proposer d'alliance pour l'instant. On a encore moins nombreux qu'eux par contre. Ça va être embêtant. Je peux plus attaquer les Ottomans. On va refaire des revendications sur eux. J'ai des super relations avec la Russie. Qui a déclenché Oldenbourg? Toute petite province. Ils ont gagné, ils ont eu de la chance. On perd des sièges. L'Autriche arrive à nos côtés. A perdu au Palatinat. Alors, l'Autriche se lance à l'assaut tout de suite. J'aimerais juste prendre le fort avant. Je sais pas si ça va servir sur ce mois-là. Oh là là, ils ont pris trop de risques. Ah, c'est trop long, je peux pas. Perdu Plissen. Ils se sont repliés. Ah, je peux pas me replier. Si, c'est bon. On a perdu Prague. On a besoin d'un commandant. Quelle bande d'ingrats par contre. Moi, le protecteur du royaume, ils osent faire des coalitions contre moi. Pour me dire que je grossis trop vite. Mais il faut que je sois gros pour tenir contre l'Ottoman. Qui est-ce que vous croyez qui vous protège? Si j'étais pas là, vous croirez. Si jamais mes territoires étaient à l'Ottoman, qu'est-ce qui se passerait dans le Saint-Empire à votre avis? Il y aura un autre qui vous mangerait. Hop, on vous scrabouille. On est nombreux. Et oui, j'utilise des nouveaux verbes, le verbe scrabouiller. Allez, tout le monde avec nous. En Ratisbonne. La question c'est qui contrôle Ratisbonne? Rati. Sans les majuscules. Ratisbonne. Des méchants. Enfin. Et je peux pas avancer par contre, je peux aller où? Ah, juste sur le fort. Ils se sont repliés. Les autres, ils ont perdu leur commandant. Il leur en faut un nouveau.
Un héritier d'Angleterre. Un pays sans succession assurée est un pays en danger. Ne souhaitant pas attendre à disposer d'un héritier issu de lui, Joseph Ludwig I a nommé un parent d'Angleterre pour céder à son trône. Et donc je dis, au moins ce n'est pas un Habsbourg. Donc j'aurai un Tudor. Donc, adieu l'union personnelle sur le Palatinat. En revanche, on a un héritier, ça c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'Autriche reste sous notre domination. Même si jamais c'est pas un je sais pas quoi. Bah, les Habsbourg, ils n'existent plus en fait. Il dit, oh là là, les Habsbourg, ces grands rivaux. Les Habsbourg, ils ont complètement disparu. Si jamais ils étaient en Hongrie, ils n'existent plus. Et en Autriche, bah, ils sont sous ma coupe. Non, il n'y a plus de Habsbourg, alors pas d'inquiétude. Enfin, il n'y en a plus en tête, à la tête des pays. Il y en a peut-être de vivants quelque part, mais... Ah, je convertis pas très vite ici. Ah non, c'est une manufacture. Bon, c'est moins grave. J'ai fait Guerre Sainte, oui. Je l'ai encore. La vitesse de recouvrement plus importante. J'aurais pas dû demander des trucs aux nobles. Pour que. Parce que là, ils me mettent des malus à la place d'avoir des bonus. Oh oh, les nobles nous en veulent. On va prendre un conseiller niveau 1 qui rapporte du prestige par exemple. Je peux peut-être avoir un meilleur commandant en recrutant un moi-même, quitte à avoir acheté plein de points. Oh bah voilà, il est plus chouette lui. Plus chouette. Hop, les forts à côté vont nous revenir. Côté bohème, il y a du combat. Ah, ils ont pris Prague par contre, je peux plus vraiment passer nulle part. Perdu un siège. Perdu Basse-Lusace. Lusace. Tous les territoires me sont revenus. Très bien. L'Angleterre est dans la place. C'est bien qu'ils débarquent, hein. Débarquent, hein, l'Angleterre. J'avais peur qu'ils restent sur leur île. Bon, ils ont toujours quelques troupes sur l'île, mais. Ils sont toujours alliés à des gens costauds, France, ouais. Fanatique protestant en Munich. Ah, ya ya. Ok, tant pis. Peut-être qu'on va les laisser convertir tout notre pays. Pour circonstances exceptionnelles, c'est la guerre, tout ça. Et que je passerai protestant. On verra. J'ai pas d'idée pour un idée en militaire. Je me suis fait attraper contre les Ottomans, donc on va juste faire une revendication sur l'ICA par exemple. La Pologne, améliorons les relations. Le Danemark, on a été en guerre, mais il n'y a pas de raison qu'on se déteste. Et voilà, pour l'instant c'est bon. Pas mal de monde là. Il serait temps que je fasse des mercenaires. Mince. Vous croyez faire quoi les Poméraniens? À deux, on pourrait aussi aller affronter eux. Ou alors on peut aller taper quelque part. En fait, eux, ils m'ont lâché. On est repassé en positif en score de guerre. Je pense que aller occuper la capitale de notre ennemi nous aiderait.
Alors je ne fais que passer, mais à votre place, j'éviterai de me mettre sur mon chemin. Est-ce qu'ils convertissent? Oui, ils convertissent. Bon, on va les laisser agir. Brême n'est pas dans la guerre, très bien. Est-ce que eux sont dans la guerre? Non. Je sais plus exactement ce dont j'ai besoin pour la nation allemande. J'ai juste besoin de Brandebourg, la province polonaise, le Hambourg, Brunswick. Après, c'est des provinces en Saxe. Et il reste encore. La S que j'ai pas cité. Et j'en ai combien? Pas la moitié encore. À vue d'œil. Aïe, petite troupe anglaise. Ils servent pas beaucoup les Anglais là-bas. Faire des petits sièges. Perdu Holtmook, les fanatiques protestants sont en train de convertir mon pays. Ah, ils ont pas réussi là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un bâtiment qui est en cours. Ou alors il faut qu'il reste un moment pour convertir. Est-ce que ça continue à transformer en réforme alors que c'est déjà des hérétiques, on dirait. Ah, j'ai occupé, parfait. Oldenburg, vos troupes, elles sont là. Malheureusement, vous êtes très nombreux dans le lot. Là, on a des séparatistes clévois, tant qu'ils gagnent pas, c'est pas grave. On va pas passer par là. Ils sont un peu trop nombreux à mon goût. Malgré les mercenaires que j'ai. Hop, vite, aidons les dés. Allons les aider. Ah mince, maintenant il s'est proclamé roi autrichien. Bon, l'avantage c'est qu'avec toutes les troupes ennemies, il risque de se faire défaire. Ah ouais, mais il part pas. Ils ont le siège de Vienne. Vite, vite, empêchons-les de prendre le siège de Vienne. Ils ont la capitale, je peux pas leur laisser la capitale. Je vais avoir un malus. Mais ça a quand même écrabouillé. Au prix de grandes pertes, j'avoue. On va reprendre des mercenaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ouais, donc vous, j'ai pas dit que vous pouvez survivre. Allez, vous êtes mort quand même? Non, toujours pas. Ah, ils ont le temps de regagner leur morale. Toujours pas, ils sont increvables. Pendant ce temps-là, je perds des sièges. Hop, c'est fait. Voilà, que les réserves renforcées ne servent qu'à ça. Pour l'instant, on va pas aider les Autrichiens à séparer de leur. Ben, il me faudrait encore plus de troupes. Pas de main insultée. Ah, il y en a qui revotent pour moi, c'est bien. L'Autriche, elle fait des sièges. Alors, on est bien nombreux, je pense qu'ils peuvent pas se soutenir.
Hop. Hop, les nobles sont loyaux. Hop. Hop, je prends le perdant. Le gagnant plutôt. Allez, dites que je vais gagner. Ah, ils sont trop arrivés. Ils sont trop. J'ai perdu. Chouette, une province protestante est devenue réformée. Qu'est-ce qu'ils veulent que je dise? Qu'est-ce qu'ils veulent que je dise? Ah, j'ai pas fait les impôts de guerre, je suis bête. Lituanie est alliée à Augsbourg, très bien, s'ils veulent. Ah, les Polonais, ils m'aident à mettre des CG même s'ils sont pas dans la guerre. Et ils ont abandonné leur alliance en fait, donc je peux pas les réinviter. Bon, ils sont cool au moins, ils viennent m'aider. Alors qu'ils pourraient m'ignorer. Ignorer ma détresse. Quels rebelles. Fanatiques protestants qui veulent convertir la Bavière. J'espère qu'ils vont y arriver plus vite que les Polonais. Au moins, ils ne seront pas dérangés par toutes les troupes adverses. Qu'est-ce qu'ils veulent, Oldenburg? Que j'en toute la Bohème. Libère Flandre et Francfort en tant qu'État souverain. Ah non, non, d'accord, juste Flandre et Francfort. Alors Flandre, c'est envisageable. Francfort, non, parce que j'en ai besoin. On va essayer de pousser. Reprendre un emprunt. Je fais de l'infanterie mauricienne mercenaire, ouais. Très nombreux, on n'est pas aussi nombreux qu'eux. C'est dommage parce que en théorie on est autant qu'eux, donc c'est qu'il y a des troupes de mon côté qui font mumus quelque part. Combien de temps d'épisode on est? Oh là là. Ah oui, c'est vrai que les Autrichiens ils ont leur propre souci. Voilà, on a écrasé ceux qui étaient tout seuls. Après, il y en a qui veulent venir là. Hop. Parfait. Y en a qui suivent ou pas? S'ils sont que 7 ou 2, c'est bon. Hop, c'était 3. Y en a qui s'en vont. Tous les puissances démissionnaires, moins 100%. Tolérance envers la seule vraie foi, moins 3. Tolérance envers les hérésies. Ils l'ont emporté. Ouais, ils ont. Ah, c'est dommage parce que je risque d'avoir de l'agitation dans sur toutes mes provinces là. Même les provinces catholiques depuis longtemps sont un tout petit peu de cet art. Ah, mais non, mais c'est normal. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est plus viable là. Vivable. Donc je suis devenu une société tolérante. C'est pas plus mal, sachant que j'arrive pas à les convertir. Ils voulaient juste de la tolérance, bah ça va. On n'a pas qu'ils viennent vers moi. Là, le siège, c'est terre arable. Oh non, il y en a d'autres qui arrivent. C'est peut-être la bataille où je vais perdre.
Sauf s'ils arrivent pas à temps. Ils sont pas arrivés à temps. Oh, parfait. On va se soigner un peu. On a gagné une grande série de batailles là. C'est bien, bien, bien. Effacer l'offre. Là, il voudrait plus que 28 de score de guerre. C'est déjà très, très bien. Y a des gens qui recrutent là? C'est qui recrute? Comment ça se fait que je puisse. J'ai pu recruter sur cette province là ou alors c'est des recrutements adverses? Ils auront pas leurs troupes. On a encore un peu de morale. On va pouvoir taper un peu. Par exemple, eux. Pas qu'ils rejoignent tous, mais ils sont en train d'aller en Bamberg. Peut-être qu'ils vont pouvoir rejoindre en fait. Hop, trop tard pour eux. On va jouer doucement parce que ça se joue à la bataille écrasée, que je me fais écraser ou pas. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. La France et l'Espagne sont plus du tout alliés et ils sont même ennemis. Ils ont dû se mettre en rivaux parce qu'ils n'avaient plus personne d'autre. Et ça m'arrange à fond. Alors moi, je ferai Pologne-Russie dans mes nouveaux. Est-ce que Russie accepte le mariage royal? Comme ça, je les garde sous le coude. Non, parce qu'ils ont trop de relations. On va améliorer les relations avec eux. Puis on va améliorer les relations avec les gens loin. Comme eux, par exemple. Oui, ils ont des séparatistes styriens. Alors tout le monde s'en va. Il vaut mieux que j'aille à côté. Là, je vais arriver au moment où il n'y aura plus que les Poméraniens. Ah, il n'y aura même plus personne en fait. Je peux aller directement là? Ouais. Alors on suit. Mais je vais pas les attraper. Tant pis. Ok, on va les taper autre part. Les Autrichiens, ils vont dessiéger les troupes de leurs rebelles. Ça m'aura coûté beaucoup de points par contre, cette guerre. Ils sont à moins 42, c'est pas bon du tout pour eux. Qu'est-ce qui vaut mieux que je tape eux? Sauf si je les attrape pas. Là j'attrape que un petit cas. Très bien. Là j'en ai à attraper. Il y a l'Angleterre juste à côté. Ils vont où après? En Cologne. Voilà. Attrape 3K. 3K par 3K, ça le fait, hein. Hop, un petit peu de sœur de guerre en plus. Je dois avoir l'objectif là, je pense. C'est fou que les protestants ils l'emportent pas en Provence. Ah là, faut que je fasse un sacré détour. On va retourner par là. Ils ont un bloc de province assiégée que je peux difficilement dessiéger. J'espère que l'Autriche va l'emporter. Ils sont en montagne. Ça devrait le faire. Pour eux. Ouais, ils vont s'en sortir. Si jamais ils n'ont pas été capables de beaucoup nous aider, au moins ils se sont débarrassés de leurs rebelles. On peut chercher ceux qui sont en Plissen comme ça. Parfait. Ils sont 20 000, mais on est 50 000. Alors, est-ce que j'en attrape un? Est-ce que j'attrape tout? Attrape un. Voilà, 22 de score de guerre. On fait demi-tour, on va en Bamberg. Alors, on est passé de moins 10 au moins à score de guerre positif. Qu'est-ce qu'on pourrait réclamer? Je ne sais pas. Si je demande des provinces,
Oh, je pourrais demander Augsbourg, c'est vrai. J'en ai besoin. Et il n'y aura pas tant de monde dans la Koa. Pour ça, faut que je les laisse pas dessiéger. On va juste voir si on peut les attraper à Nuremberg. Non, on peut pas, je pense. On va aller par là. Oh, par contre, ils sont trop nombreux. Je vais pas pouvoir dessiéger vraiment. Dispersez-vous. J'arrive. Bavarois en Prague. C'est une province que je ne contrôle pas. C'est une bonne nouvelle. Dispersez-vous un peu, sinon je tape. On va aller là. Bof, un petit cas. Il y a du monde là. 3000. Ils étaient 4000 finalement. Ils s'en vont. Il y en a qui restent. Là, ça va faire une sacrée grosse bataille. Oh non, il y en a d'autres qui arrivent. Je pense que je vais pas la voir cette bataille. Sauf si, qui sait. Ah, j'aurais dû faire des mercenaires dès le début. Mais je pensais ne pas la voir. Ah non, vous allez perdre. Oui, ils ont perdu. J'ai pas beaucoup de morale, mais c'est suffisant pour écraser ceux qui sont là. Celui-là, tu vas pas te faire recruter, toi? En moyen et on va avoir plus de 25 de score de guerre. Non. Ah bah si, quand même. Ce serait abusé sinon. Moins 15. Ok, alors toi, viens te greffer à eux. Ouh, ça s'est pas passé loin. J'aurai un point guerre sainte. Je peux pas prendre plus d'impôts. Les Ottomans revendiquent chez moi. Il y a juste Ulm que j'ai réussi à pas attirer dans la Koa parmi les villes libres ici. Parce que je leur ai accordé la grâce impériale. Comme quoi ça valait la peine. Vingt-cinq. Ah, ils vont reprendre la capitale à force. Ils sont à moins 14, ils sont encore très très loin. Probablement moyen que j'occupe encore deux petits gars avant ça. Plus potentiellement que les rebelles ou alors mes alliés dessiègent certains de mes forts. Combien de temps ça va s'appliquer Tolérance des hérésies. Est-ce que ça s'affiche les bonus là? Jusqu'en 99. Ça a duré pendant 10 ans. Malgré le moins de 10%, je peux les convertir. C'est fou ça. On va plutôt attendre. Pour l'instant, on tolère les hérésies et on les reconvertit pas. En fait, ils ont converti une seule province, je crois, qui s'est elle-même reconvertie à la réforme. Ouais. Amiénois. Ouais. Fin du siège. Très bien. Ils ont des hérétiques. On va pas. Pas aider. Ah, ils ont été excommuniés à la Provence. Ils m'aiment bien. Ah, ils sont alliés à l'Angleterre. Mais l'Angleterre rejoindrait pas Milan, Toscane et Venise. Ça fait beaucoup quand même. Peut-être que. Non, moins 4. Si je prends ce fort. Hop, on est à 40 là. Ils acceptent.
Alors, je peux leur demander une somme de sous somme une somme ridicule. Voilà les coalisés. Voilà ce qui vous arrive. Mince. Alors, le Munster, je vais voir si je vous reprends. Les prioritaires sont la Pologne et la Russie. Voilà, j'ai mes 6 relations, le Munster. Je vais vous reprendre. Est-ce que vous avez aucune province dont j'ai besoin, le Munster? Oui, vous ne l'avez plus. Donc on va vous reprendre avec autant plus d'intérêt. Puis vous votez pour moi, la Saxe vote plus pour moi. On a encore des rebelles là-bas. Ils ont une agitation trop importante. Le moins 93 parce que c'est séparatiste récent. C'est embêtant ça. Ils ont combien de l'astuce de guerre peut-être? Ou alors c'est l'unité religieuse déplorable qu'ils ont qui les pénalise. On va baisser d'un en espérant ne pas avoir de révolte grâce à ça. Les mercenaires, vous allez vous... Ah non, vous êtes tellement nombreux. Les mercenaires, vous allez vous fusionner. Vous allez rejoindre le croc de l'armée. J'ai encore besoin de vous pour l'instant. Fanatiques réformés. Ah, ils vont se reconvertir la Silésie, je pense. J'ai essayé de leur imposer la religion et tout, mais... Bon, la Poméranie reste un adversaire costaud. C'est embêtant. Qui décide de rejoindre chacune de mes coalitions, ils peuvent encore. La Saxe pourrait, j'espère qu'elle m'apprécie. Ouais. Ok. Peut-être pas tous les sacrifier. Hop. Oh mais non. Et je crois que le mois est passé, donc j'ai perdu tout mon moral. Ah non, j'ai pas perdu tout mon moral. Bonne nouvelle. C'est des montagnes, on va peut-être attendre qu'ils viennent. Mais d'où ces Vénitiens là? Pas Vénitiens du tout. Est-ce qu'on arrive à temps? Je ne sais pas. J'espère. On arrive à temps. Ah, France frise. Je m'en doutais. La France a enfin décidé d'annexer la Bourgogne. La fin de la Bourgogne. Voilà, alors maintenant de l'armée à zéro, on gagne plein de sous, on va désactiver les forteresses. Les forteresses elles me servent beaucoup dans la guerre contre les membres de l'Empire. Donc on va les garder aussi nombreuses soient-elles, même si ça me coûte beaucoup. J'ai repris le Munster en allié, il m'aime, la Pologne il m'aime, la Russie il m'aime. Est-ce que prennent un mariage royal? Oui. L'Autriche et même on pourrait quand même monter dirigeant de notre culture. Ah oui c'est vrai, ça doit être l'événement qui faisait que je favorisais les Autrichiens en dépit des Bavarois.
Du coup, les Bavarois, ils sont. Ils râlent parce qu'il y a de la lassitude de guerre. J'espère qu'aucune révolte arrivera jusqu'au bout. Sinon, je baisserai la lassitude de guerre manuellement. J'ai trop d'emprunts à rembourser d'abord. 4200. Mais à coup de 40 par mois, ça va le faire, je pense. Et ce sera la suite au prochain épisode.